Bonjour. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On est quel jour là? On est jeudi. En ce jeudi, oh ça veut dire que demain c'est le week-end et ça, ah c'est propre. Pas demain, enfin, demain soir, oh, c'est le week-end. Et ça c'est beau parce je pense qu'on a tous besoin du week-end. Parce que le week-end, c'est le repos, c'est le plaisir, c'est la détente. Voilà quoi. Ah, j'ai pris un retour de jet dans le nez. Mais ouais, écoutez, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va bien, tranquillou, tranquillou. J'ai bien travaillé aujourd'hui, je suis fier de moi, parce que hier. C'était un peu compliqué le travail, de travailler au travail. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai été super productif. Franchement, chapeau moi, si je peux me permettre. Coucou Bibi, comment ça va? Mais ouais, non, tranquille quoi. On est jeudi, on est là, posé, posé pépou. On va jouer un peu à Bayonetta. Sans pression, sans prise de tête. Ça va. Oh bah si ça va alors. Si ça va alors, très bien, très bien. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on veut bien sûr. Mais ouais, voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai comme news à vous dire? Ah si. Qu'est-ce que j'ai fait hier en rentrant du travail? En rentrant du travail hier, j'ai acheté mes billets pour partir en Finlande. Ça y est, je pars. C'est officiel. Puisque du coup, j'ai pris les billets d'avion. Donc là, voilà, machine arrière impossible. Et du coup, je pars du 27 septembre au 4 octobre. Donc une petite semaine Helsinki, quoi. Et ah, je suis hypé. Hein. Ah, je suis hypé de fou là. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir que j'ai un peu hâte, quoi. Mais voilà. Du coup, j'ai fait ça. J'étais très content. Et après, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait avant de live? Et ben, j'ai cherché un travail, puisque je suis toujours à la recherche de travail. Et en fait, je crois que genre, ça fatigue trop la recherche d'emploi, ça m'aspire mon énergie. Surtout que, en fait, ben, je cherche, sauf que je trouve rien qui correspond à mes critères. À mes critères, c'est-à-dire ma zone géographique et dans ce que je fais. Donc c'est un peu complexe quoi. Après je me dis on n'est qu'en juin, du coup je peux pas commencer à travailler avant début octobre. En vrai je m'y prends peut-être un peu beaucoup en avance quoi. Mais en même temps ah, je tâte le terrain quoi. Mais ouais c'est un peu décourageant quand même parce que ben il n'y a pas grand-chose hein. C'est un peu le néant. Mais bon. On verra bien. J'y crois quand même. Hein. Mais je sens que ça va. Je sens que je vais pas être. Je vais pas trouver du taf direct en sortant du stage, genre. Ça risque d'être très compliqué. Bibi pour la première pêche du stream qui nous remonte une petite tortue. Let's go! N'oubliez pas que pour sauver les tortues, il faut les relâcher, bien sûr. Sinon, qu'est-ce qu'on se fait ce soir? Eh bien, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, nous jouons à Bayonetta 3. On continue notre aventure en apothéose infinie, bien sûr, pour se faire rouler dessus. On en était au chapitre combien? Au chapitre 10? Non, pas autant. Ah, quoique. Chapitre 9 plutôt, hein. On devait être au chapitre 9, je crois. Voilà, on est dans l'Égypte, on va jouer avec Bayonetta là, et puis Viola, et c'est tant mieux parce que Viola, c'est clairement pas pour moi, hein, c'est trop compliqué. Mais ouais, c'est l'idée quoi. C'est l'idée, donc on va faire ça, on verra si on fait un ou deux chapitres. Suivant, on verra comment suivant. Comment suivant qu'on avance? Non, ça se dit pas ça. Suivant comment on avance plutôt. Et puis bah écoutez, voilà quoi, le programme de la soirée quoi. Donc c'est parti, c'est parti. Ah oui, merde, attendez, il faut que je vous translate.
Et maintenant, je suis full habitué à cette nouvelle caméra là qui est toujours si belle. Oh là, je ne pourrais pas revenir à l'ancienne, c'est pas possible, tellement elle est fraîche. Mais vous savez ce qui est encore plus frais? Eh ben, c'est vous, les gens dans le chat, bien sûr. Un ami en ligne. Mais ouais. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter? Je sais pas trop, hein. Ouais, si je disais hier soir, enfin hier soir, hier après-midi, le travail. C'est-à-dire que ce que j'ai fait hier après-midi, c'est mettre des cartons sur les fenêtres du labo et c'est tout. Après, j'avais trop la flemme, j'ai rien fait d'autre. Vraiment, c'était. Waouh! Oh, lourd! Alors qu'aujourd'hui, putain, j'étais à fond, j'ai fait tout ce que je devais faire. Ah non, on est au chapitre 8, hein, quand même. Pas du tout au chapitre 9, en fait. Ouais, j'étais à fond. Il faut qu'on trouve le chat si possible. Et ouais, genre j'ai fait 3 distillations. Les distillations, c'est laborieux, hein. En général. Bon, là après, c'était sur des petits volumes, donc ça va. Mais j'étais plutôt fier de moi parce que j'ai bien travaillé aujourd'hui. Donc voilà. Faut savoir aussi être fier de son travail. Le Caire, Zamalek. Ok, on est ici, quoi. On est là. Est-ce qu'il y a des trucs là? Un petit chat ici. Oh, ce serait trop beau. Trop beau pour être vrai. Et ce n'est jamais trop laid pour être faux, bien sûr. Comme dirait. Lazare. Oh. Interminable. Castellanus. Unité d'interception. Château. Un château avec des tentacules. Voilà. Voilà, c'est lui. Et du coup, évidemment, on ne peut pas l'attaquer. Enfin, quand je dis on peut pas l'attaquer, c'est genre on peut l'attaquer que de loin. Aïe! Aïe! Putain! Il nous a envoyé des... Aïe! Quoi? C'est quoi qui m'a fait des... Mais c'est lui là. Ils ont trop de vie. Oh. Parce que les boules comme ça fait très Nier Automata. Alors j'ai joué très peu à Nier parce qu'en fait je suis très nul à ce jeu. Alors je suis très nul au jeu et en plus du coup, je ne le possède pas. Chez un pote. Mais ouais, très mauvais au jeu. J'ai réussi à avoir l'ending, vous êtes mort au tuto. Genre, littéralement, il y a un ending, c'est vous êtes mort au tuto, vous ne pouvez pas sauver le monde puisque vous êtes nul. Grosso modo, c'est ça, quoi. Et j'ai eu cette ending. Et c'est un peu une petite fierté, quand même. Ah là là!
j'ai réussi à l'esquiver quand même. On n'aurait pas cru, on n'aurait pas cru. Et voilà! Dead. J'ai l'impression d'avoir vu ma vie. Par contre, combo, waouh! Alors que j'ai tout donné. Oh, ça dégue. Princess, you must not follow. Is that John? And Princess, you must be joking. Et regardez, il y a le truc là. On peut aller essayer. Allez, on va essayer. Let's go. Oula, c'est quoi, c'est il faut survivre. Ah non, remporte le combat. Dans l'imité, terrain difficile. Let's go. Ah oui, c'est vraiment... Ah non, je voulais esquiver au dernier moment, j'ai raté. Ah, je vais mourir. Ah oui, je suis mort. Ok. Il y en a un en face ou pas là? Eh, j'ai réussi là. C'est beau, non? Allez! Ah! Oh. C'est trop dur! Je peux même pas avancer! Oh! Je m'élance, hein. Je fais ce que je peux. Hein. Non! Oh! Ouh. J'ai failli mourir et il est mort juste avant moi. Ouais, en soi, j'ai quand même une médaille d'or. Hein. Chapeau, chapeau, chapeau là. Faire des petites sucettes comme ça là. Toujours plaise, hein, on est des gros consommateurs de sucettes, hein, bien sûr. Waouh, c'est stylé ça. La vue de la caméra absolument immonde. Celui-là. The frog seems to like it as well. Oh non, j'ai appuyé! Pas d'ex. Oh. Quoi? Il m'a attaqué pendant que j'étais en train de faire un combo là, c'est un peu de pute. Excusez-moi, hein. Excusez les termes, hein, mais. C'est bien, on est à notre premier game over là. Premier d'une longue série. Et j'ai même pas le temps de. J'ai même pas le temps de faire semblant d'esquiver. Il reste quelqu'un. Ah oui. Je vois pas ce que je fais. Ok, ça, l'attaque, je sais pas où. Aïe. Zéro dégâts.
Vraiment, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Le nombre de coups qu'il faut que j'inflige aux adversaires. C'est ça qui est terrible, en fait. C'est que moi, je dois leur donner 36 000 coups et eux, ils me one-shot. One shot, j'abuse un peu, mais. Bon, on va récupérer la grenouille, let's go. Après, je crois que j'avais déjà bien exploré la première fois ici. Pas que j'ai joué à ce chapitre. J'ai quand même pas le chat, hein, donc. Ouais. Explorer, ouais, mais pas tant que ça. Hein. Ah ouais, là il y a un coffre, là je me souviens, c'est de la merde à voir. Là. Je fais le tour, hein, je sais pas trop pourquoi, mais parce que j'ai envie en fait. Voilà, pourquoi. De plateformes qui vont je sais pas où pour faire je sais pas quoi. Ah ok, est-ce que j'ai envie de le faire? Je vais essayer, je sais même plus où c'est qu'il faut aller, alors ça va essayer rapidement. En vrai, ça va. Oh, ta maman. Oh. Ah. Oh, c'est un scandale. Flemme, allez, ça dégage. Ah bah, il y a un endroit où il y a un truc là-bas où. Le espace là. C'est pareil, genre il y a un truc tout au bout de la grotte. Mais je sais plus, je sais pas. Et là il y a un truc genre. Alors, on va refaire ça. Ça sert juste à peut-être comme ça. Je sais pas trop. Ça doit pas être ça à mon avis, hein. Ouais, non. Bon, on va aller sur le truc du milieu là. Et en vrai, si, il suffit que je. Ouais, bon bah voilà, c'est bon en fait. C'était plus facile que vous aurez pu. Je crois qu'il y a le corbeau quelque part. Ouais, là. En bas là. Vous voyez? Oh ben. Putain, comme j'en avais chié la première fois pour l'attraper, et en fait c'était. Wow. Bref. En fait c'était aussi simple que ça. Des choses qui arrivent, bien sûr.
les petites ressources, bien sûr, toujours pour les ressources. Alors, est-ce qu'il y a le chat dans les parages ou pas? Pour le coup, le chat, je ne l'ai pas. Il serait peut-être par ici. En tout cas, je ne l'ai pas repéré. Continuons d'avancer. Ok. Elle court. Elle court. Ah d'accord. Elle s'est laissée descendre vraiment en mode... Allez, ciao. La caresse du venin. Ah ouais, là j'étais amusé à péter tous les rochers. Je ne peux pas casser. Comme par hasard, le seul que j'essaie de vous montrer, ça ne marche pas quoi. Triste. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Et ça se casse pas en fait ce truc. Oh là, on va assister à une scène, je pense. Ah non, en fait. Ok. Il y a les... Attends, j'appuie. Oula, juste au moment où il m'a sauté dessus. Je pense qu'on a esquivé les... Je fais des petits... Là. Ouais, il a gelé, il a... Ah, et maintenant on se bat contre Jeanne. Attends, parce que je reprends de la vie, là. Parce qu'elle me fout un coup, je suis KO, capoute. Aïe! Bon, il est fort possible que ça parte sur un game over, hein, bien sûr. Un bon game over comme on sait les faire par chez nous finalement. J'essaie de me libérer, j'arrive pas. Attendez, là c'est pareil, si je meurs, j'aurai un peu le seum. Est-ce que je peux concocter? Ouais, en plein combat, hein, y a quoi? On est là donc. On est à ce niveau de respect, bien sûr. Ah ok.
les éventails qu'on utilise. Bâle, impératrice des profondeurs. J'ai jamais fait attention, mais c'est un putain de crapaud avec des seins. Grenouille, du coup. C'est une grenouille avec une paire de loches. Oh là là. On peut les casser? Ouais, on peut. Vous avez vu, on peut casser ceux-là. Gamora. Gomora, pardon. Merde. Gamora, c'est dans. Les trucs là, comment ça s'appelle? Les gardiens de la galaxie. Je sais pas où il est parti. Ça donne des petites ressources, hein, donc ça sert à rien. Je sais pas pourquoi je le fais, mais non, si je le fais parce que ça m'a plu. Ah non, j'ai plus de mal. Et ça donne des ressources et de l'argent. Ça donne que des trucs bon, je crois. La moula. Prendre la moula. Il y a des trucs ici. Il y a un mur invisible. Aller des deux côtés. Il faut voir parce que là je crois qu'il y a un secret que j'avais loupé quelque part, je sais pas où. Un mur qui s'est cassé quelque part, je sais pas. Il va falloir être attentif. Je sais pas trop. Faut aussi se trouver le chat, bien sûr. Enfin, hein, si on trouve pas, c'est pas la mort. On n'est pas là pour le 100%, on est là pour au moins arriver à terminer le jeu. Quand on fait chanter notre cher crapaud géant,
ça fait ce que vous allez voir. De venin mortel. Waouh, ça a donné des grenouilles. Des grenouilles, putain. Des sucettes. On casse tout, on casse tout. La recherche de Chuck Ray. Oh, ça donne de la vie, ça. Oh oui, il y en a plein par terre. Oh, toute cette vie. Oh lolo. Oh lolo. J'ai plein de vie. J'adore. Ah, mais est-ce que si je le fais chanter, je ressors? Oui! Ah, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut qu'en fait je prépare mon coup, quoi. On va faire ça. Donc là, on a chanté une fois. Deux fois. Trois fois. Voilà, et ensuite on garde l'autre pour plus tard. C'est un maxi outil mystère dont nous aurons besoin plus tard. Oh. Maintenant par exemple. Regardez, c'est ce que j'aime pas là. Radiatus, unité d'artillerie légère. Chanter en avant, ça fonctionnerait, en fait ça ne fonctionne pas du tout. Oh, la déception. C'était pas évident là. C'était comme ça. Je comprends rien à ce qui se passe. J'ai subi aucun dégât. Oh bah alors ça. Et bien en tant que c'est pareil. Entre 5 statues de balles à l'intérieur du temple. Y'a pas de problème. J'ai pas de chat en vue. Pas de mur qui a l'air d'être cassable. Bac, cassable. Donc là il faut sauter sur les. Sauter là-dessus. Là. Attends, on peut casser plein de statues. Non,
Non, pas les casser. Pas les casser, c'est vrai. Ah, on peut pas les casser parce que ça active. Attention. Oh merde. Oh le choke. Ah, par contre, j'ai mis ma vie, ça c'est remonté. C'était pas prévu ça effectivement. On va y arriver. Don't worry. Voilà. On va grimper au-dessus. Eh, en vrai, peut-être que si. Pas. Bon, alors je fais demi-tour, mais parce que je veux juste voir si on peut. Allez, ah bah non, on peut pas. Dommage. Non, mais au moins on aura regardé. Normalement, on est censé atteindre l'autre. Ouais, suffit. Pas besoin de sauter plein de fois comme là. Genre un saut, un poteau, quoi. Bah là c'est un peu raté. J'ai pas trouvé de chat, j'ai pas trouvé de salle secrète. Oula, j'ai mal aux yeux. Bon, j'ai mal aux yeux. Ça sent le combat ici là, non? Mais attends, vous avez vu la vie que j'ai perdue en un seul coup, genre? Et c'est quel... Quel genre de... Quel genre de boss, ça? Oh, j'ai vu de la vie derrière. Oh, il y a plein de vie derrière, là. Ça va récupérer tout ça. Wow.
combat de... C'est un combat de fouille. Ah. Je crois qu'elle a gagné. Pas si mal, pas si mal en vrai. Ah, j'ai raté. Quite the power lunch. Sure you'll be all right. Oh. I was only joking. What? My mistress is calling Micah. Oh non, la maîtresse. I'm coming. Ah cool. Il était court ce chapitre là. On a toujours pas trouvé le chat. Et il me manque un bout. Il me manque un truc. C'est la fameuse. Je pense que c'est la fameuse salle secrète là. Un mystère. Et la première fois j'avais pas trouvé non plus. On entrait dans la salle cachée du temple. Ouais c'est ça. Hein. Mystère. Oh, Bubu, l'argent de mémé. Apprendre à voler. Échapper aux nuages d'éradication sans les toucher. Glisser sur le sable sans toucher aucun obstacle. Éviter les nuages d'éradication pendant le combat sur la balance. Effectuer 5 attaques sadiques au sommet de la tour des packs. Voilà, apprendre à voler, chapitre 9. Celui-là, il a l'air un peu plus long. En vrai, c'est bien, du coup, à la fin de ce chapitre, on aura bouclé l'Egypte et on pourra se quitter là, je pense. Enfin, bon, on verra. Déjà, il faut faire le chapitre. This must be the place. Bon, alors, techniquement, j'ai tous les bestiaux là. Grenouille, chat. Et voir s'il n'y a pas. Ah, bah ok. Bah je prends, merci. Having an outdoor recital? Bah c'était pas vrai. Voilà, ennemi bien sûr, diversé. J'ai encore perdu là de la vie. J'ai pris quoi? Ah, il est bobé. Iconique. Ça. Gomorra vraiment. Il va bien mourir là, non? Oh non, c'est moi qui vais mourir. Ouf, c'était ton axe. Médaille d'or. Plus de vie, mais médaille d'or. Scandaleux. Récupérons des pièces, là on est bientôt à 900 000. C'est vrai que je suis en train de me dire, je me bats tout le temps avec les mêmes démons. On pourrait changer un petit peu. C'est où? C'est là.
Alors, prendre la Bola, c'en est un qui est rapide. Malpass. Ah bah non, c'est celui qui aura dans ce niveau. Tu me diras, Madame Butterfly, je joue jamais avec. Quand même l'icône. Icône quoi, une icône de Bayonetta. Pas de la vie là. Évidemment. Pas facile si. Ça se casse. Ça se casse, mais c'est pas de la vie. Bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Vas-y. Ah. Et c'est la templette. Ah oui, d'accord. Makes waste, is it? Detours aren't my style, but I suppose there's no choice. Donc j'imagine qu'il faut aller là où ça c'est rouge et que c'est un peu ambiance mort, sang. Do it. Oh, de la vie. Oh, amen. Il y a plein de malfas. Et il y a un... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Une porte de l'enfer. C'est un truc de l'enfer. Bonjour. I'd recognize the rancid air of Inferno anywhere. An unexpected chill in the middle of the desert. Oh, c'est quoi ça? Quite a few naughty ones have snuck through as well. Okay. C'est la première fois que j'avais fait ce niveau, je ne l'avais pas fait parce qu'en fait j'étais en mode hey, je vais aller en haut de la tour, c'est parce que c'est rigolo, ça doit être un secret, et en fait pas du tout. Fallait pas y aller. Enfin, c'était la suite directe de. J'ai changé de. J'ai pas capté que j'ai changé d'arme. Là, j'ai réussi à l'emporter. Oh là là, je l'aurais roulé dessus. Bon après, j'ai perdu de la vie. Quand même de l'or hein. Il y avait de la vie là derrière là. Bon, on va monter. Ok, c'est comme ça le chemin normal. Le coup pas la voir. Aussi. Ah, aussi. Ah bah si. Bah alors je suis déjà venu. Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Accumule des points de combo. Pluie de lave. Quoi? Ennemi? Quoi? Et qu'est-ce que... Hein? Je peux pas lire.
Ah, c'est les yo-yo. Alors c'est lui de lave, on a un seul PV et ça va. Aïe. Ah oui, moi je suis pas immortel, c'est vrai. C'est vrai, c'est comme ça. The shadow remains cast. J'ai un peu la flemme de faire ce défi, hein. Je vais pas vous mentir. Oh. Ah, en plus 5000 c'est bon. Non mais j'ai la flemme en plus pour une sucette. Ni vu ni connu. Personne n'en saura jamais rien. Ouf, les gens qui ont assez de courage pour regarder toute la VOD. Et c'est ici là. What was it that Sean used to say? Your lack of conviction is your weakness. Here's the proof of my conviction. Il est dommage qu'on le voit pas en plein écran. I'm coming, John. Wow. J'envoie du pâté. Malphas, héros de l'inexorable. Que des mots que je n'utilise jamais dans son œuvre. Héros inexorable. This should make getting around a breeze. Ouais, plein de vie là. Yeah.
assez, assez doux, l'attaque sadique. J'ai pas l'air d'avoir le charme. J'ai récupéré toute ma vie. Je prendrais bien une phase de chevauchage d'oiseaux maléfiques, bien sûr. Quoique peut-être. Je sais plus si ils m'ont. C'est inversé. Du coup, c'est pas inversé. Ça me semblait. Sometimes the scenic route actually pays off. Ah, on a un comité d'accueil. Donc il est fini de parler, ensuite tu casses toutes ces statues-là. Perhaps you've got something more interesting in store. Qui c'est? Temple des tempêtes. Hein. Mais avant toute chose, on va augmenter les techniques là parce qu'on a beaucoup. Ça c'est fait. Un bibi, j'ai encore une tortue. Allez, c'est... La RNG en sueur. Peut les casser ça. Pas les casser. Alors, si on essaie de passer par ici et absorber, oui. Oui, comme ça là. Et ensuite, hop, on prend des dégâts. C'est bien ce qui me semblait. Et c'est. N'hésite pas à spammer. Ah bah non, pas besoin en fait. De cette corvée. Je tape dans le décor, hein, si jamais. Oh, ça sent la salle de combat, ça un peu, non? Il y a un comme ça.
bientôt le game over. Je la décolle, je la décolle. Mais c'est, au moins ça me fait reprendre ma vie, c'est pas plus mal. Ok, il est envoûté. Ils sont envoûtés. Je crois qu'il a sauté juste avant et du coup ben il est pas du tout là où je suis. Pas de... Oula. Bon tous les ans nous a ramené. En fait, c'est presque plus bénéf de décéder, de pas d'avoir un game over, que de prendre des sucettes. Bah, déjà parce que des sucettes, j'en ai plus. En plus, parce que tu repars avec toute ta vie. Et tu n'as pas de. Et il n'y a pas de pénalité. Ouais, je me souviens de faut allumer les moulins quoi. Unleash it. Là on en a un, ensuite il faut voler là, your wings. Comme ça, et après on passe. Spread your wings. Voilà, comme ça, là, vous avez vu? Le plus efficace pour exploser le décor, ça reste Gomorrah. Hein. Je suis désolé. Hein. Après il y a un corbac là-haut. Là. Yeah.
apparaître en fait ici, là, la tuile. Et il peut apparaître au milieu de la pièce. Au milieu de la pièce. C'est un peu bizarre. Voilà. Ok, c'est tout. Attendez à devoir essayer à rouler super longtemps. Et ceux-là, on peut les casser en masse. Vous voyez là. On va pas s'attarder hein, à casser les cailloux. Déjà que ça ne mène à rien. C'est pas cher, c'est Gomorrah que je préfère. Là où là? S'il y avait quelque chose, il n'y est plus, ça y est. Là, il y a le shop ici. Ouais, si, c'est ça. On va juste courir, hein. Ah, je l'ai raté. Pas grave. Oh nulos. Oh c'est terrible de rater ça. Ça arrive. No infernal entry. Et ouais bon ça donnait un coffre quoi. Oh. Not picking up. Un coup, je voulais invoquer mais je peux pas y faire. J'ai perdu trop de vie contre des nullos pareils là, ça dégoûte. C'est terrible hein. Bientôt à game over à cause d'un trésor. Aïe aïe aïe. Les joueurs pro ont super. En même temps y'a pas de joueurs pro qui regardent la chaîne. Voilà, comme ça par exemple. Finish them!
est tombé. Ah, moi aussi je suis tombé. Non. Oh quoi. J'en ai marre. Quand j'invoque un démon qui tombe là, comme un caca. Je vois pas où je suis. Ok. Ah oui, il faut équilibrer les poids. Spread your wings. 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 Take it. Trop trop là. Je vais attraper l'autre. Celui-là là. Là, take celui-là. It. Non. Je vais pas y arriver. Take it. Non, ça me fait dire des grossièretés. Take it. Ah oui, parce qu'il y a un gros et deux. Enfin, il y a deux gros et deux petits. Là. J'ai cru que c'était pas bon. Ça a mis du temps à se checker, j'ai cru que c'était pas ça. J'ai paniqué là, j'avoue. Paniqué. Enfin, toujours que ça m'aurait un peu surpris. Ah, mais il pop là-bas encore. C'est les statues. Bonne vie. D'argent au milieu là. Allez, let's go. Ah, il y a le chat. Hop, ça fait toujours des halos gratuits. What an adorable new friend. Elle dit dildo. J'entends ça, mais bon. Mais je bien que c'est pas ça qu'elle dit. Puis de là, on désactive. Survie. Ah, c'est bien ça. On va voir si j'arrive à survivre. Piquette, tu la connais. Oulala. Oulala. Ça risque d'être complexe, je pense. Hein. Ah, mais il faut survivre dans les airs en plus. Bah, super. Ah ouais, direct. Il faut être en mouvement tout le temps. Ça. Je peux plus voler. C'est sur sa tête. Et un damage là. Là aussi. Non. Bon, mais ça va, c'est faisable de. C'était le first try, c'était l'échauffement. Là maintenant, le vrai défi commence maintenant. Okay. Compte que à partir de maintenant, le nombre de fois, ok. Où j'ai essayé. Non mais ça commence déjà mal. Hein. Non mais non, quoi ? Je suis en train de choir. Alors que techniquement j'étais sur la plateforme, du coup je pouvais de nouveau sauter. Et
Ah mais il n'y a pas écrit ennemi invincible en fait. Peut-être qu'on peut les tuer mais j'ai pas envie de... Oh, oh non, quoi, il restait 18 secondes en plus. Il m'a pris par surprise le chien. Oh, ça t'ex. Il y a des mains partout là, c'est un. Quoi? J'ai pris un damage, je sais pas d'où. En fait, le souci c'est que après je redescends trop lentement. C'est avec celui-là. Il faut pas que je plane, que je sois mobile, sauter partout. Je vais mourir dans la lave. Oh là là. C'est terrible, j'ai l'impression que le défi il est super facile et juste je suis une merde en fait. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui se passe hein, bien sûr. Non. Ah. Ah. C'est bon. Non mais putain. Mais j'arrive pas à partir. Ah. Allez, ouf. Je transpire des mains, je suis. Bon, bah voilà, Zaydor. Qui...
Medaglia di ora. E oro. Et vous saviez que les gens qui parlent le finnois, enfin ma famille, et ben on les appelle les finophones. Voilà, les finophones. Ça c'est le coup, est-ce que je descends, que ça me fasse perdre de la vie, que je meurs. Une sucette, trop de la vie. Là il se passe quoi là? Ah, j'ai tout esquivé, hein. Oh, oh pas si long, mais... Enzo might actually shut up for once if he saw this. Eh ben, ça en fait de l'or. Ah. Il y a même des halos. C'est quoi ce truc? Bah voilà, il est mort. Yes, boy. Attendez, j'essaie de récupérer.
récupérer, j'essaie de récupérer les halos là qui restent un peu partout. J'ai juste besoin de me balader si j'ai plus. J'ai vu de la vie quelque part. De la vie, je l'ai pas récupéré. Ah, voilà. Oh oui, je vais aller loin avec ça. Y a plus de halo. Bien. Ah, rien avec. Gimme mort. Gimme. Il n'en reste plus qu'un. If all this effort doesn't make for a happy ending, I'll have some harsh words for that girl. Even more so if she's not keeping an eye on Luca. Elle parle de Viola, hein, bien sûr. Hein. That kitty was scratching around in my mind. What has come over me? Oh. Ah. Les problèmes. Prenons l'or. Mais le sol découvre. I thought this was all a bit too easy. Ah d'accord, c'est donc ça le mini-jeu. Alors là il va falloir voilà, péter les murs. Et j'ai récupéré toute ma life, let's go. Non. On voit pas trop où il faut aller, mais tranquille. Ok. Là. Et si je m'en sors sans prendre un seul damage, waouh, chapi. Je trouve trop c'est qu'il faut que je tire, mais donc il est assis sur eux, j'imagine. J'y arrive pas vraiment, quoi. Ah, j'ai pris un dégât, voilà, évidemment. Aïe. La visée approximative, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Apex, c'est pour ça. Oula. Ok, y'a quoi en face? C'est quoi ça? Je connais lui, non? A jamais vu. Oh, il nous a chopé. Je comprends pas tout, mais je comprends que je suis en string. Ah, et là je fais du surf. Aïe. Ok, en fait il faut s'accroupir. Il y a des trucs sur notre tête. Sauter aussi, j'imagine. Ça se passe dans le sévère. Ah ok. Go.
il vaut mieux les éviter, les lasers. Moi, j'arrive pas à les éviter, par contre. Ah, pour ce qui est un peu dramatique. Est-ce que je peux... Est-ce que je pourrais les esquiver, à ce coup? Ça se passe comment, en fait? Putain, j'ai pris tous les dégâts à la fin, ça dégoûte là, je m'en étais presque bien tiré. Ah, il a bouffé. Il a bouffé Malphace. Ou non. Et pas de sauté avant. De tomber là, pas contre. Évidemment. Sirostratus et Sirocumulus. Oh, Jeanne. Princess. Curse this damned wall. Relax, Jean. I'm not your princess. But I did promise a mutual friend that I'd come for you. Sounds like someone has led a rather solitary life, doesn't it? Indeed. We'll waste no more time on this foolishness. Ah bah allez, c'est parti. Putain, c'est quoi qui va... Oh, y'a un truc qui va transpercer là. Ouah, ça me fait l'occu. Ah. Va déjà être un game over là. On en est donc. Hop. Sucette, 2 sucettes, 3 sucettes. Ah, on prend ça aussi là. Donnons-nous de la force. Mais. Ça tombe bien, j'avais ça de près depuis tantôt. Ça lui enlevait presque plus tard. Aïe. Pourquoi pas? Oh!
Ah, ils ont changé de place. Allez, il est presque mort. Oh, il a chuté. Oh non, Jeanne. De l'absorber. Forget about me. To kill this beast and me. Do it now. Oh. Quickly, damn it. Forgive me. My weakness failed you again. Elle l'a tué. No. You've grown stronger than you know. Cereza. Il est en train de la bouffer. The woman I used to be. Now watch, Jean. I'll never bow to anyone again. Not even myself. Elle dit ça parce que du coup elle se fout de baïonnette. Eh ouais. Oh, médaille d'argent, pas fou, pas fou.
Oh la musique. Stratocumulus, unité cryptide tactique colossale. Un cœur en moins. Ouais, ça repousse, hein, je vous avais dit. Waouh. Putain, t'as ça par terre chez toi, tu paniques. Hein. Fantôme. Calcineuse de monde. Ah oui. Ah. Listen well, mistress. This superheated body can only last a few minutes. Feel the rage of Malphus. Il faut pas prendre de dégâts, c'est vrai. Oh là là, aïe. C'était quoi ça? Changer de démon, c'est elle. Voilà, en gros, il faut attaquer là où il y a des, là où il y a les boules, vous voyez. Et du coup, parfois, eh ben, c'est en bas, parfois c'est en haut. J'avais pas compris. La première fois que je l'ai fait. La visée approximative. Aïe aïe aïe. Aïe. Ça serait mal. Passe en haut. Ah. Monte. Ah, ça me dégoûte.
Attendez, je suis dans un... Ah non. T'es où? Ah, c'est là. Hop. Apothéose. Sacrée explosion. Hein. Ouf. Ah non, on est en train de chuter. Ah non, c'est un trou noir. On va mourir, on va se faire aspirer. Nous a jeté. Elle s'est sacrifiée pour nous. John, did you see? I won. Elle est archi stylée en vrai cette Bayonetta, je trouve que c'est la plus stylée de des trois là qu'on a vu pour l'instant. On est revenu à Tulé. Gling, 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 gling. Trophée en or, bah let's go. Mmh. 21h50, putain le timing de fou. Oh là là. C'est agréable. La prochaine fois nous aurons encore un intermède avec Jeanne. Ah, et il en reste encore un là. Mais ouais, 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 on avance, il nous reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 chapitres. Pas mal, pas mal. C'est combien de pièces? Let's get down to business. Ouh, 968 000. Bah écoutez, voilà, voilà quoi. Oh, j'ai pas beaucoup bu stream là. Ça me donnait mal au crâne toutes ces histoires. Hop. Oh, Bibi qui remonte du canapé de la mer 1. Let's go. Alors, toc. Bon, 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 bah écoutez, voilà, encore une affaire rondement menée. On aura bien avancé, puisqu'il nous reste du coup 7 chapitres. Et en vrai, pas vraiment 7, il en reste... Ouais, il en reste 4, donc 3 intermèdes, quoi. Alors, on se rapproche de la fin. On se rapproche de la fin du jeu. On se rapproche de la fin de cette série et du commencement d'une nouvelle. Oh, voilà, incroyable. Oh, Bibi qui nous remonte un coffre avec 3 poireaux. Pas mal, pas mal.
Mais donc, ouais, bah écoutez, les Ozo, fort sympathique, hein, ce jeu, bien évidemment, comme d'habitude. Fort sympathique, ce petit stream aussi, bien sûr. Et nous arrivons justement à terme de ce stream. Qui dit fin de stream, dit, mais quand est-ce le prochain stream, bien sûr. Eh bien, le prochain stream, c'est demain soir, et c'est sur Warframe. Je fais la nouvelle guerre. Donc, voilà, un jeu qu'on n'a jamais vu en stream sur cette chaîne, mais auquel j'ai énormément joué entre 2016 et 2016 et 2018, ouais, je pense. Ouais, on va dire ça comme ça. Et en vrai, si, un petit peu plus, un peu après aussi, mais comme il y avait la prépa, c'était plus pendant les vacances. Mais oui, donc le prochain stream, c'est demain à 20h. Voilà. Voilà. Un petit anchois 31 grammes, allez, c'est parti, c'est pas mal. Enfin, des poissons, là. Ça devenir une denrée rare de pêcher des poissons finalement. Mais ouais, donc prochain stream demain 20h. Et écoutez, ben c'est le moment où je vais remercier toutes les personnes qui sont passées sur le stream ce soir. Merci énormément à vous. Merci notamment aux personnes qui ont discuté dans le chat, puisque ça fait de l'interaction et c'est vivant, et donc ça fait très très plaisir. Donc merci énormément les Asticots, le GOAT, bien évidemment. Gros cœur sur toi, Bibi. Et puis ben du coup on se dit à demain si jamais vous venez demain, sinon à une prochaine fois. En attendant, je vous souhaite la plus belle des nuits possibles. Je vous dis à demain ou à plus tard. Passez une très belle vie et ciao ciao.